Մենք երբեք պարտված չենք համարում մեզ, ուծանկի չենք գալու, մենք դեռ հաղթանակ ենք տոնելու և պարահեղ հաղթանակներ, որպեսի հայազգը երբեք ու երբեք աշխարի որ ծայրում է լինի, ծնկի չգա, մենք ծնկի եկող ազգ չենք, մենք հարատև հաղթող հաղթանակած պարկ, պարկ իմ հաշողորդին, հաղթանակ. Թաղեցյալ լինիմք, բայց ոչ խոնարիմք. Ջան. Gürkan Melikyan, you was in Artsakh, in Karabakh, many years, and you meet with the legendary AVO, the Commandant Monte Melkonyan. In 1 minute, what is your souvenir about him? You know, today is his birthday, and I am very proud that I know that personality. A big personality, Armenian, by all means, because his parents, they saw the genocide, the biggest genocide in the world, and the first genocide. And he wants to give his respect to his country. That's why he left his life. And he came to Armenia to build a new life for Armenia. I'm proud of him, and I'm glad that I met him and I fight with him. God bless him. Today is his birthday, and every year after 1993, we are coming here to celebrate his birthday, because he gives us power to fight, power to keep our motherland. That's why I'm here. God bless the soldiers that they gave their life to our country. All the best to the soldiers that they are keeping our borders. Thanks, Monte. Mardi Rosjom Gotchian, vous êtes aussi une figure légendaire de ce qu'on a appelé l'Azala, l'armée secrète arménienne pour la libération de l'Arménie, considérée
comme un groupe de résistance par certains, comme un groupe terroriste évidemment par vos adversaires. Vous êtes originaire du Liban et c'est là que vous avez connu le légendaire commandant Avo Monte Melkonyan. Racontez-nous votre première entrevue avec lui. Mon première rencontre avec Monte Melkonyan, c'était 1978 à Beyrouth, à Bourg Chamoud, 24 avril. En pleine guerre civile. Pleine guerre civile. Et Monte, il faisait discours le salle de Melkonyan, Melkonyan Sra. Vous connaissez ça, à Bourg Chamoud. Là-bas, il faisait discours pour le 24 avril, il donnait son point de vue pour la... l'histoire, machin, il parlait du génocide aussi. Et moi, j'étais avec Alec Yannick Omcheyan. On était tous les deux là-bas. On l'écoutait. Les discours, c'était en anglais. Et notre point de vue, ça tombait juste parce que tout ce qu'il disait, nous, on était déjà dans l'affaire. Enfin. Dans la Zala. Enfin. Mais pas lui. Pas lui. Et. J'ai dit à Alec, Alec, tu veux que je l'invite, ce jeune garçon-là, pour aller quelque part? Il me dit, Mardo, tu peux faire? Oui, pourquoi pas. On les a invités, on est allé boire du thé ensemble, chez Panos, là, pâtisserie, là. Et c'est comme ça que vous l'avez inclus dans la Zala? C'est comme ça qu'il est rentré par vous? Je peux dire ça, oui. Ensuite, évidemment... On connaît l'histoire de la Zala, toutes les actions qu'elle a menées en Europe et ailleurs dans le monde. Il sera, vous aussi, vous avez été arrêté et mis en prison en Suisse. Lui, il sera détenu en France. Vous avez été libéré, vous êtes arrivé en Arménie, lui aussi. Et c'était avant la guerre, le début du déclenchement de la guerre avec l'Azerbaïdjan sur la question de Karabakh. Toutes ces années, vous avez été à ses côtés, je vous y ai vu, jusqu'à quasiment son dernier souffle. Quel homme était-il au Karabakh? Il avait déjà un entraînement militaire quand il est arrivé, alors qu'il n'y avait que des paysans. Quel commandant était-il, puisque vous l'avez fréquenté au quotidien? Au quotidien, d'abord, Monte, quand il était au Liban, là, bien sûr, il a passé beaucoup de choses pour l'autodéfense, les quartiers arméniens. Après, je peux dire aussi sud du Liban, dans la région de Nabatieh. Voilà. C'est là que vous avez eu vos entraînements chez les Palestiniens. Voilà. Ça, nous, on n'était pas avec les Palestiniens, nous avons été à part, mais on coopérait avec eux. Et après ça, moi, je suis venu faire mon opération 81. Mon opération aussi, on était... fait avec Monte, le plan de mon opération. À Genève. Ah, d'accord. Racontez-nous le commandant de guerre qu'il était. Il est venu en Arménie, il s'est engagé au Karabakh. De petit soldat, il deviendra commandant. Il a trouvé la mort et aujourd'hui, il est pour les Arméniens une icône, un héros national. Quel homme était-il sur le terrain au quotidien? Certains disent qu'il donnait l'exemple, il était un peu comme Zapata, suivez-moi si vous m'aimez. Était-il si exemplaire que ça? Monte, il n'aimait pas de mettre des titres sur son lutte là. Il montait même, il mettait pas des signes de militaire sur lui. Il considérait jamais être commandant. Il se considérait lui-même c'est un soldat de lutte. Un peu à l'image de Che Guevara, dont qu'il appréciait. On peut dire ça parce que lui, il disait où il y a des causes arméniennes, je vais être là-bas. D'abord, il m'a écrit une lettre en 89. Moi, j'étais en prison. Il m'a dit, Mardiros, si tu sors de la prison, si l'organisation te propose Moyen-Orient, pays arabe, notre lutte, maintenant, il est au Karabakh. Il avait dit, si nous perdons le Karabakh, c'est la dernière page de l'histoire du peuple arménien qui se refermera. Ouais. Aujourd'hui, vous avez perdu le Karabakh. Est-ce que la dernière page est perdue ou pas? Je ne considère pas qu'on a perdu le Karabakh. La lutte, c'est toujours la lutte. On ne ferme jamais l'histoire. Je peux assurer à Monte, qui nous attend maintenant,
la lutte elle est jamais finie. Et si on a fait ça après le 1915, après le génocide, aussi on a perdu là-bas. Mais les gens, ils pensent aussi de retour, n'est-ce pas? Mais souviens, le peuple israélien il disait à la santé de retour au pays, n'est-ce pas? Et moi j'ai dit non, on va faire la lutte jusqu'à retour et récupération totale du territoire d'Arménie. Total, j'ai dit. Ça, moi, je suis sûr que je veux le voir, ça. Je veux voir. C'est la fin de mon vie, là.